Bonjour à toutes et à tous, merci de nous accueillir chez vous pour suivre ensemble ce match de l'Euro 2012. Franck Sauzet est à mes côtés. Oui, bonjour Hervé, bonjour à tous. On espère voir de belles choses dans ce match. Un petit mot sur ces deux équipes peut-être, Franck. Mais Hervé, elles devraient faire jeu égal pendant la majeure partie de cette rencontre. L'ouverture du score sera, comme souvent en pareil cas, déterminante. Avec monsieur Mehmet Yildiraz dans le rôle de l'arbitre. Les joueurs espagnols dans le rond central, c'est parti. Xavi. Oh, le tir! Mais ce sera sans problème pour le gardien. Ah, il a bien anticipé. Il avait bien senti le coup. Et Chiellini qui vient lui disputer ce ballon dans les pieds. Ah oui, un très beau ballon. Ah, pas de souci pour le gardien sur cette frappe lointaine. Le ballon pour Mario Balotelli. Giovinco. Andrés Iniesta. Touche pour l'Espagne. Xavi. Le tacle de Pirlo. Xavi marqué de près. Et le ballon qui change de camp. Magnifique. Et la bonne occasion. Chiellini a bien vu le jeu de l'adversaire. Oh, passe déterminante peut-être, on n'est pas loin des buts. Elle assure bien sa passe. Et ça donne un bon ballon. Kizio. Xavi sera le premier sur ce ballon. David Silva qui doit résister à son vis-à-vis. Un ballon contré. Et le ballon qui est sorti. Corner pour l'Espagne. Peut-être le but. Ouais, le gardien, c'est pas fini. But pour l'Espagne. Et c'est donc l'ouverture du score 1-0. Et maintenant, Balotelli. Andrea Pirlo. Antonio Cassano. Assez simple, hein, c'est lui le dépositeur du jeu dans cette équipe. Tous ses ballons sont souvent donnés au millimètre. Il trouve son coéquipier. Oh, le poteau et ça sort. Pour Fernando Torres. C'est un ballon perdu. Giovinco. Marquisio. Oh oui, c'est bien vu. Très bien joué la défense. Ce championnat d'Europe des Nations que l'on doit à un Français, Franck. Eh oui, Hervé, à un Français, à Henri Delaunay, en effet, qui a donné son nom au trophée. Ah, les Français qui ont également inventé des Coupes d'Europe de clubs. On est très bon pour les inventer, moins pour les gagner. Ce sont vos propos. Xabi Alonso. Xavi
Xavi. Collectif vraiment bien huilé. Ça circule bien. Voilà. Il perd le ballon. Superbe passe, attention. Oh, quel joli tir! Ouais, contre du défenseur. Sergio Ramos, le premier sur le ballon. Xavi. Ouais, le ballon repris sur l'aile. Jovinko. Daniele De Rossi. Oh, ça joue bien. Oh, ça va donner de l'air à la défense. De Busquets. Xavi. Et ça continue. Passe, pas évident ce hors-jeu. Oula, ça a dû se jouer à quelques centimètres. Gérard Piqué. Xabi Alonso. Et il lui redonne. Ça tourne bien en ce moment. Là, on est dans une phase de conservation du ballon en attendant l'ouverture. Ça peut être dangereux. Oh, ça va rentrer. Ah, il n'a pas bien pris le ballon. Non, non, c'est une frappe dévissée. Le ballon qui va être rendu à l'Italie après cette sortie de but. Jovinko, Sergio Ramos qui intercepte cette passe. Nesta qui a choisi d'écarter. En une, deux. Xavi. Veloa. Bon jaillissement sur cette passe. Oh, c'est parti. Et le gardien sur la trajectoire. La défense italienne qui plie et qui concède un corner. Andrés Iniesta. Intercepté et sur cette passe de Xavi. Et c'est la mi-temps ici. Les joueurs vont pouvoir souffrir un peu. Pas beaucoup de buts dans cette première période, mon cher Franck. Non, en effet, on reste un peu sur notre fin à ce niveau-là. Il y aura peut-être des changements en seconde période pour essayer d'apporter un peu de nouveauté. Pour la deuxième période avec l'Italie. David Silva qui est le premier sur le ballon. Sergio Busquets. Voilà. Xavi. Ah oui, la passe bien là, on approche des buts. Ouais,
bien défendu. Bonne interception. Avec Fernando Torres. Oh, que ça circule. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Chavi vient voler ce ballon. Et la voilà, la frappe. Tir qui est contré. Jovinko. Ah oui, la talonnade. Antonio Cassano. Le ballon pour Mario Balotelli. Xabi Alonso pour récupérer ce ballon. Il ne s'est pas laissé surprendre. Il a récupéré. L'adversaire qui s'empare de ce ballon. Antonio Cassano. La mise en jeu intéressante pour l'Italie. C'est sûr que ce n'est pas à son équipe de faire le jeu. Alors il fait tout pour préserver bon résultat. Sergio Busquets. Oh oui, très beau geste défensif. Il y avait danger. Andrea Pirlo. Balotelli. Oh oui, bien joué. Dans la surface. Allez, faut dégager ça vite fait. Bonne sortie du gardien. Ah, c'était impossible à contrôler quasiment. Voilà la sortie, ce serait une touche pour les Espagnols. Fabregas. Xavi. C'est bien donné. Ah, ce sont un petit peu enflammés, la défense qui récupère. Oh, ça, ça peut déboucher sur quelque chose peut-être. Ah, ça ne passe pas. Bonucci. Antonio Cassano. Oui, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Pirlo. Ouais, le drapeau s'est levé. On va quand même vérifier parce que j'ai quelques doutes. Ouais, un changement prudent, on va dire, parce que le joueur a écopé d'un carton jaune. De Rossi. Fabregas. Ouais, la main. Et l'arbitre l'a vu. Et Fabregas à la récupération. Le tacle de Pirlo. Ça a coupé leur élan au tout dernier moment. Bien joué. Le débordement n'est pas passé, ballon récupéré. Fabregas. Xavi. C'est un bon ballon ça. Il est sur la trajectoire et a contré. Ouais, le jeu était là, bien vu. Ce sera un corner pour l'Espagne. L'entraîneur qui va faire rentrer un attaquant. Il n'y a plus trop le choix là, il faut tout tenter pour revenir. Récupéré par l'adversaire.
Intervention efficace de la défense. Oui, bonne circulation du ballon. Attention. Oh, oui, ça rentre. C'est décisif en tout cas. Hein. Le joueur rentre. À peine rentré, il marque. Et ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2 à 0. Maggio. Giovinco. Coup de sifflet de l'arbitre, un carton peut-être. Andrés Iniesta. Le ballon qui file en touche avec cette passe mal assurée. Chiellini. Montolivo. Et maintenant Balotelli. Andrea Pirlo. Il avait bien senti le coup. Et la défense qui est sur le qui-vive, attention. Non, ce sera une fausse alerte. Juste ballon de la tête. Ouais, pas de souci hein, pour le gardien. Pirlo, Maggio, Andrea Pirlo, la sortie de but. Ça va s'arrêter là parce qu'il y avait Andrea Pirlo dans les parages. On trouve son partenaire. Oh, qu'elle est bien partie. Ah, on le sent bien quand même dans cette frappe qui passe très largement hors du cadre, qui n'ont plus l'air d'y croire vraiment. C'est un bon ballon. Et le gardien qui est monté sur ce corner. Et la défense qui concède un corner. Corner pour les Italiens. Ouais, la bonne prise de balle là du gardien. Ça y est, c'est bel et bien fini sur ce coup de sifflet de l'arbitre. J'ai trouvé cette équipe assez convaincante, Franck, pas vous? Il faut relativiser, Hervé, ce n'était qu'un match amical. Bien sûr, la victoire fait du bien, elle facilitera sûrement la récupération, mais il ne faut pas s'emballer pour autant. Merci d'avoir suivi ce match avec nous. Au revoir à tous.